Salut à tous et toutes, Jean-Claude Doussard, pour vous présenter dans cette émission Place aux artistes, un chanteur, auteur, compositeur, interprète. Il habite une région où ça sent bon la lavande, à Puy-Moisson exactement, dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour, monsieur Pierre Barboni. Bonjour mon ami et bonjour aux auditeurs. Alors dis-moi, tu joues du piano? Déjà, tu es auteur, compositeur, interprète, mais tu joues du piano, je crois, depuis tout petit. Oui, ben, ça c'est un peu la tradition familiale. Ma mère a fait le conservatoire et puis il y avait un piano chez ma grand-mère et de tout petit, par curiosité et puis par goût, je me suis mis à jouer du piano. Et tu t'es mis un jour à composer. Et justement, comment te viennent les mélodies, l'accompagnement, tout quoi, pour faire une chanson? Ben, disons que pour moi c'est quelque chose de naturel. Par rapport au texte, je ressens une certaine rythmique dans le sens des mots. Du coup, il me vient une mélodie et puis je mélange tout ça. Puis en général, ça se passe très bien et c'est assez rapide. Alors justement, tu composes beaucoup pour des auteurs, mais on va en parler tout à l'heure, bien sûr, mais tu écris, je crois, aussi un petit peu. Oui, j'écris ben, comme un petit peu comme tout le monde, par rapport déjà à une expérience de vie, et puis bon, ben, les sentiments, et puis tout ce qui se passe. On a toujours des influences, des fois au jour le jour, des fois des choses qui durent depuis quelque temps. Puis voilà, ça nous donne des idées. C'est comme l'écrivain, je pense, quelqu'un qui écrit un livre. Et puis je suis également un petit peu peintre, dessinateur, donc tout ça, c'est des choses qui se mélangent, même la cuisine, Voilà. les odeurs, les Tu as couleurs. plusieurs talents, on va en reparler, parce que aussi, allez, on dit ce que tu fais comme travail principal, c'est tu travailles à Moustier, Sainte-Marie, et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis décorateur sur faïence. Voilà. Je fais du modelage, je travaille à la terre, les cuissons, le décor. Voilà, je suis ouvrier polyvalent. Voilà. Et tu as une dextérité vraiment géniale, je peux le dire aux auditeurs, parce que je suis venu te voir à Moustier-Sainte-Marie, on discutait, et en même temps, paf, c'est inné ça aussi, le fait de peindre sur des assiettes, là, c'est formidable. Au départ, le dessin c'est inné, mais c'est quand même du travail, hein. Oui. Quand je fais du piano, c'est en général 4 heures par jour. Alors Alors justement. pour moi, c'est une détente et un plaisir. Le fait est, c'est que à force de travail, on arrive à faire quelque chose, quoi. Oui, ben, je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Jacques Brel qui disait, il y a 10% de talent et 90% Ah, de tout à travail. fait. Tu seras au festival Poésie et Chansons qui se déroulera du 24 juin au 30 juin sur le plateau de Valensole et toi, tu vas chanter. Et tu chantes quand et où? Alors, je chanterai le dimanche 25 en matinée à 10 h à la salle Tardieu. Alors, c'est en plein centre de Valensole. Disons, c'est une salle qui peut faire théâtre, qui peut faire cinéma. Donc, c'est un formidable outil pour ce petit village. Et donc, tous les matins pendant le festival, il y aura un tour de chant dans cette salle Tardieu. Voilà, je signale que c'est un festival qui s'appelle Festival Poésie et Chansons au Pays des Lavandes qui se déroulera du 24 au 30 juin. Et l'invité qui clôturera ce festival sera Georges Chelon. Si vous voulez réserver, c'est au 06 86 47 13 12 ou encore le 06 84 95 86 66. Ou éventuellement, je vous donne le mail, c'est poètesdeshautesterres@gmail.com, parce que c'est en fait l'association des poètes des hautes terres qui organise ce festival chaque année, Pierre. Tout à fait, oui. Alors, il y a des gens qui réservent, qui viennent pour la semaine complète, donc tous les soirs il y a un spectacle en soirée. Et puis il y a des gens qui viennent une journée ou deux, ou juste une matinée pour assister à un spectacle en particulier. Et toi, tu chanteras donc à Valensole le dimanche 25 juin à 10h30 au cinéma de Valensole, c'est ça, Voilà, Pierre? tout à fait. Alors cette année c'est un petit peu exceptionnel parce que j'écris des mélodies pour différents auteurs. En tout, j'en ai six. Six qui font partie de l'association. Et cette année, je les invite tous les six. Donc, il y aura 18 titres, 18 textes et 18 chansons, donc, sur la scène du théâtre de la salle Tardieu.
Voilà, je rappelle que y a beaucoup de festivaliers qui viennent chaque année, de très loin, hein, parfois de très loin. Et puis c'est un beau festival parce qu'il y a des artistes tous les jours. Tous les jours, il y a un spectacle, hein, Pierre. Oui, on a même une chasseuse canadienne cette année qui Voilà, et qui. viendra au village des Puymoissons en soirée. Voilà, Puymoisson à 21h. Et elle s'appelle Sandra Lecouteur, Tout à fait. une chanteuse québécoise. Alors toi, on te D'accord. retrouve le dimanche 25 juin à 10h30 au cinéma de Valensole. Tu chanteras Les Poètes des Hautes-Terres, c'est bien ça? Tout à fait. Et alors là, si tu veux, on va se quitter. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ah ben Et. c'est un grand plaisir. C'est toujours un plaisir de t'avoir au téléphone. Entre passionnés, je pense que ça se Oui, passe toujours très bien. Pierre, je dis ça aux auditeurs, est un grand passionné, mais pour beaucoup de choses. D'ailleurs, il vous l'a dit un petit peu, hein. Cuisine, voilà, et puis il fait de belles assiettes à Moustier-Sainte-Marie. Donc aussi, bien sûr, un grand passionné de chansons. Voilà, donc on va écouter, si tu veux bien, un extrait d'une chanson. Tu veux bien nous la présenter? Alors cette chanson, c'est Belle de toujours. C'est un texte de Guy Jean-Pierre. C'est une chanson d'amour qu'il a écrite pour sa femme. Voilà. Voilà, entre autres. Et c'est une valse, hein, je crois. C'est une valse. Alors on écoute Pierre Barboni qui chante Un poète des Hautes-Terres, Guy Jean-Pierre. Et cette chanson s'appelle Belle de toujours. Merci Pierre Barboni. Je t'en prie, au plaisir. Et merci aux auditeurs. Cela fera tantôt 60 ans que je t'aime et que pour toi j'aime à rimer. Bien que je sois plus vieux que n'était Nicodème, à mon chevet de t'aimer. Tous les jours qu'offre Dieu m'en apporte la preuve, la surprise et la nouveauté. C'est chaque fois divers. De la petite fille d'un temps que je n'ai pas connu. Je te contemple aussi, grand-mère de famille, mêlant le sage à l'ingénu. Ô toi qui n'as jamais parlé pour ne rien dire, et ni chanté sans du lendemain sur la planète bleue que nous foulions ensemble sans jamais nous quitter la main. Nous vécûmes heureux de vivre l'un pour l'autre selon la plus douce des lois. Allons du même pas, tous ces jours seront nôtres. Je n'en veux pas qu'il soit sans toi. Dans les rayons du soir, rosissent les nuages, l'éther à l'homme est transparent. J'y vois la galerie du ravissant visage que j'ai prisé ma vie durant. T'aimer de tous mes sens.
sang.